Every day I'm shuffling. Bonjour tout le monde, ici c'est Rusing123 pour une nouvelle vidéo, pas sur MV3 cette fois, mais si sur mon ordinateur, car je tiens à vous présenter comment contacter la team pour des matchs de team, recrutement ou discuter avec la team. En fait, il y a trois types de, comme vous pouvez voir, trois types de sites pour contacter la team. Le premier, c'est la page Elite. Vous avez la description là. Je mettrai ça dans, je mettrai ça dans la description, le lien pour que tout le monde puisse nous venir nous parler. On a 72 membres maintenant. Bon, on a déjà eu plus, on a déjà eu moins, mais ça va. Vous pouvez parler avec la team, comme les membres y font, voir les trophées de la team. Bon, je vais passer ça et regarder ce qu'il y a à gagner quand vous passez niveau, le niveau précédent. Actuellement, on est niveau 41. J'espère qu'on passera assez vite à niveau 42 pour que on arrive. L'objectif, c'est qu'on arrive à niveau 50 et que on puisse tout de même profiter de la team, même que je vais la créer sur Black Ops 2 qui sortira dans un mois. L'autre moyen de communiquer la team, c'est dans son forum. C'est un forum que j'ai créé, c'est un forum gratuit. Je l'ai créé moi-même. Il y a toute la team dedans. Il faut juste se connecter dedans. Et puis vous laissez, soit vous me laissez un commentaire à moi, soit vous laissez un commentaire dans le chat, soit dans la partie forum, bar, match de team, candidature, ou sinon pour parler de la team Amnesia. Le troisième moyen de nous communiquer, comme vous savez tous, c'est notre chaîne YouTube. Si vous avez la chaîne YouTube de la team Amnesia, elle a actuellement 44 membres, 675 vues. Bon, c'est bien déjà. Je suis content du travail que je fais et j'espère continuer. La date, elle a été activée. Je suis désolé pour ce qui est apparu. La date a été activée, c'est 23 août 2012. C'est quand on a fait la chaîne YouTube, mais la team, elle a été créée en avril 2012. Pour faire cette vidéo, j'utilise Camtas Studio, j'utilise Vegas Pro, après FreeMake Video, et FL Studio, Cinema 4D, After Effects. Bon, c'est des programmes que je fais pour utiliser pour vous faire les vidéos avec bien sûr mon Avermedia. Bon, je tiens à vous remercier. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci.